que tu aimes bien les pet shops. Désolé, moi au ciel, je ne connais pas les pet shops, mais vous allez m'expliquer, bien évidemment. Ah bien écoutez, désolé, mais je ne connais pas. Non, les pet shops, c'est les petits animaux, oui, les petites figurines. D'accord. Bah, en règle générale, j'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup les animaux. Vous savez que mon âne, que j'ai laissé aussi à l'entrée de ce studio, oui. Il ne pouvait pas rentrer. Donc j'adore les animaux. Donc les pepchots, qu'ils soient miniatures ou qu'ils soient gigantesques, j'adore les animaux. Pourquoi les Saint-Nicolas et une cape? Parce que je suis évêque au départ. Je suis l'évêque de Myre. Je vous rappelle, je pense que les historiens ont dû le dire, je suis né à Patard, aux alentours de 270. Saint-Nicolas, est-ce que j'espère que je vais te voir au Pestac? Mais bien sûr, dommage que tu ne sois pas venu. Mais l'année prochaine, je reviendrai en Lorraine et n'hésite pas à venir me voir, notamment lors des défilés de Nancy. Saint-Nicolas, est-ce que tu veux bien jouer aux jeux vidéo avec moi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu seras sans doute plus fort que moi, mais je pense que je vais m'y habituer aussi. Parce que dans le ciel, on en a acheté un récemment. Bon, c'est pas encore ça, mais je pense que je progresserai très vite à ton contact. Pourquoi as-tu un chapeau, grand Saint-Nicolas? Mon chapeau s'appelle une mitre. C'est bien ça, puisque j'étais évêque. Et contrairement au papou, ça s'appelle pas une mitre, ça s'appelle une... Une tiare, absolument. Est-ce que t'aimes bien les chiens, Saint-Nicolas? Là encore, comme je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup bien sûr les ânes, j'aime beaucoup les chiens, j'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup aussi les chevaux. Voilà, je suis un fervent des animaux. Et votre âne, vous l'aimez beaucoup? Mais bien sûr, bah heureusement, quand je suis un peu fatigué, je me repose et c'est lui qui m'emmène, justement, de maison en maison, pour donner les cadeaux aux enfants. T'as combien d'ânes? Je devrais pas le dire, mais j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Parce que de temps en temps, ils sont un peu fatigués, donc je les mets au repos et j'en prends un autre. D'accord. Voilà. Saint-Nicolas, j'espère que tu vas manger à chaque fois que je pose quelque chose près de la cheminée et de l'âne aussi. Ah, les enfants sont très gentils. Souvent, ils me déposent quelque chose près de la cheminée et toujours une grande carotte pour mon âne. Oh. Et bien sûr, je prends tout, je me régale et mon âne, alors là, n'en parlons pas, il est heureux. Est-ce que c'est un cheval ou un âne? C'est un âne. Voilà. C'est un âne. Pourquoi vous êtes tout rouge? On dirait le Père Noël. Alors, parce que là, je crois qu'il y a débat. Enfin, ouais. Le Saint-Nicolas a plusieurs tenues. Oui. Oui. Ah bah. Oui, oui. Plusieurs tenues, elles changent souvent. Oh, voilà. Voilà, mais bon, Saint-Nicolas, c'est le solstice d'hiver. Oui. C'est le blanc et le rouge dans notre imagination. Absolument. Mais bien sûr, c'est le temps de l'Avent, donc ça pourrait aussi être une cape violette. Exactement. Voilà, mais ça pourrait être aussi une cape blanche resplendissante. Mmh. Tout est possible. Merci Saint-Nicolas. Allez, attention. En souris. Yeah. Oh, vous êtes trop beau. Ah, merci. Merci beaucoup.